Mais vraiment. Et comment ils ont fait? Mais c'est du osé, non? En fait, ils ont absolument pas pensé à éteindre le feu. Pour eux, c'était c'était bon, on va sortir. Ça allait s'éteindre tout seul. Puis ils n'avaient aucune diplomatie, donc faire sortir les gens, c'était même pas possible. Il y a eu des morts, il y a eu. Il y a eu un village blessé. Là, il y a pas, voilà, un peu blessé, et puis il s'en sort, quoi. Donc, comme j'ai une félicitation, le bonus XP, il est. Ouais. Ah ouais, là c'est monstrueux. Passage de niveau 4. Passage niveau 4. D'un coup. Ah, fais la fausse crypte, on verra après. Ah, allez, on va se faire. De toute façon, on y va là. Mais on va passer par le monument. Ouais. Bon, Fenris. Ouais, il me manque encore quelques trucs. Moi, je reviens devant pour l'air. Bon, discuter avec les villageois, je reviens. Et bah, j'ai envie de dire que ce serait bien le moment de profiter de la cohue pour s'éclipser en douce. Oui, bah oui, je me suis dit, personne va. Ouais. Moi je trouve que ça tombait bien, peut-être que vous vouliez faire ça après la réunion parce que vous allez pouvoir vous éclipser sans qu'on vous remarque. Mais d'abord on passe au monument. Au monument ? On fait un détour. On dit que François il est ok, donc. Alors vous allez jusqu'au monument, vous approchez discrètement ou. Monument, oui. Eh bah, j'ai envie de dire, tout le monde me fait un test de discrétion. Avec la chouette, j'ai une discrétion, non ? Non, c'est une perception de mémoire. Parce que... 14. Ah, discrétion plus 6. Ah, oui, bah... Plus 6, mon nom, je peux l'envoyer. Ah, oui, d'accord, mais c'est moi. Attends, moi, je suis en face bien de la ligne. Non, c'est pas très bizarre, quoi. Discrétion, tu dois pas être... Non, plus 0, normalement, je suis en face. Ou alors c'est moins 1, je sais pas. Non, c'est moins 1, je pense. Moi, j'ai 7 en discrétion. Bon, j'ai... Attends, c'est bizarre, quand même. J'ai au moins 4. Je sais, j'ai peux rien dire. J'ai une cuirasse et j'ai une lance, une cuirasse, un bouclier, une épée, un couquet, un homme. C'est vrai que t'es pas très discret là. C'est boum. Bah là, t'as moins 4 avec ton argent. Moi, j'ai 7. Mon loup, il a plus 5 alors. Bon, pour la discrétion, ça sera. En gros, je me tape 8, moi, je suis tout. 10, c'est comment? Et mon loup? Et mon loup? Peut-être qu'un mec normal va t'entendre. Moi j'ai. Bon, de toute façon c'est pas grave, la discrétion aujourd'hui ce sera pas votre foire. Et Moulou, ben, il a 20. Non mais ça s'arrête, il suffit qu'il y en a un qui foire et c'est entendu. Bon. À rigueur, vous informez plus sur le nombre de personnes, mais. On s'approche du monument. Avec la discrétion d'un éléphant. Oui, surtout moi avec ma cuirasse. Oh, je suis choupé. Bon, le monument et on est pas. Il y a les poils du nain qui me grattent. Et au monument, ben, c'est calme. Vous. Le stress que vous remarquez la présence d'un type qui est assis au pied du monument et qui semble monter la garde. Qui es-tu? On lui demande qui on lui parle. Salut. Ok, bah. Qui es-tu? Bonsoir, ben, je suis un des hommes du prévôt, je monte la garde. Et tu montes la garde tout seul? En fait, peut-être. Comment ça? Tu veux dire c'est peut-être? Bah, peut-être qu'il essaye de cacher des informations. Qu'est-ce que tu caches? Maintenant. Ah, attendez, vous êtes les gens qui avaient aidé le village, hein. Oui, là, oui. Oui. Non, enfin, là, il est pas au courant de ce qui s'est passé, mais. Écoutez, on vient de sauver votre village. Qui enquêtait sur le village. Bon, je peux vous le dire, on a des hommes embusqués au cas où pour monter la garde. Ah, moi, je suis juste là pour. Ça va pas. Dommage, try again. Depuis quand? Ça fait deux bonnes heures. Hein. Deux bonnes heures. Et vous avez toujours une. Et plus que vous avez. Calistria te récompensera pour ton courage. Ok. Et tu as un petit clin d'œil discret. Couti. Eh bien. Tu lui demandes quoi? Non, rien, mais. Vous avez mal quelque chose de suspect dernièrement? Bah, pour l'instant, non. Depuis ça a l'air d'aller. Très bien. Bon. Eh bien, bon courage. Bonne soirée. Test de survie. Si y a un problème, n'hésitez pas. Ouais. Allez. Plutôt si on a un problème, impliqué. Bon, allez, on j'arriverai. On est remonté au niveau du pont. Au niveau du pont. N'importe quoi. Donc, c'est la crypte. L'ingénierie. On fonce au cimetière. On est parti du. Avec la discrétion habituelle de votre groupe, apparemment. C'est-à-dire, là. Ça sert à rien, ils ont tous raté. Moi j'ai le bug. Et pourquoi l'œil rechute quand il discrétion. Bah, lui, attends, il y a une arbalète, il me fout. Alors... Là, on s'en fiche un peu de la discrétion. Donc, ce qu'il faut être, c'est être rapide à la crypte pour pas. Ok. Il est étoile. Vous arrivez jusqu'au cimetière, la grille est. Fermée. Et le roublard n'est pas là. Et le nain. Le roublard. La roublarde. Oui. Ah, oui. Bah, oui, mais écoute. Ah, oui, parce que c'est elle qui a les. Fenris, va chercher l'elfe. William, arrête avec ton loup.
quoi, franchement. Dextérité. Déjà, tu vas avoir un cheval. Le cheval, c'est loup. Ton loup, il va finir en boulet. Ton loup, il nous ouvre la grille. Voilà, mais sinon... Bon, est-ce que quelqu'un a envie de crocheter la grille juste pour essayer? Sinon, j'ai la force. C'est quoi? C'est quelle compétence? C'est du sabotage. Moi j'ai tout dans des Ah non, mais vous n'êtes pas formé au sabotage. Moi non plus, non. Eh, le vol. Non. C'est en gros, si un jour t'as un sort de vol, c'est ta capacité à bien t'en servir. Oh là là. Tu ne sais pas naturellement voler. Alors, après, c'est de l'escaladage. D'escalade de grille. Ah, ouais, on peut tenter. Ah, c'est moi. Escalade, forcément. Bah, j'ai un bonus. Moi aussi, j'ai un bonus d'escalade. Ouais, t'as aussi une grosse armure qui te fait un bon malus. Moi, j'ai un bon malus. Je lève mon armure. Tu vas laisser tes armures au cas du cinéma. Mais j'arrive pas une fois que je suis. François, t'as combien d'escalade? Moins un. William? Sinon, je propose de. Escalade? Péter la grille. Il doit avoir moins de vie. Et. Ok, bon bah moi j'ai 0 en escalade, je peux toujours escalader la grille. Non, escalade j'ai 0. Moins non, 4. Ça me paraît pas possible. T'as un malus de moins 4 obligatoire et t'as que plus 2 en force. Donc t'as forcément moins 2. Non, j'ai un bonus de plus 2 en escalade aussi, j'ai pris en compétence. C'est vrai. C'est 0. Attends, montre-moi ça. Bon, de toute façon. En même temps. Oui, c'est vrai. Vous pouvez escalader. En tant que chevalier, j'ai ça. Ça fait 0 reste 2. Sinon, en fait, peut-être que sinon, on force. Bah, sinon, on essaie d'escalader tous les deux. Tu forces. Bon, on essaie d'escalader. Mais je peux pas faire main brûlante. Je fais 13. 13. J'ai fait 13. Ça passe surtout de réchauffer. 13, ça passe pas. Tu peux pas faire fondre le portail. Ou l'acide. 13 pour escalader. Moi, je peux. Bah oui, t'as de l'acide par exemple. Bon, enfin, là, il a déjà commencé à faire. Bon, il a commencé à escalader. Ça passe pas bien. Ça passe pas bien. Bon, okay. Tu jettes un petit peu de moi, je ne sais même pas, et Caro, il s'en mais dissous la serrure. J'ai l'acide sur la porte. Juste la serrure, juste sur la serrure. Bah, la serrure. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Bah, écoute. Tu fais bien l'acide. Ça saute. Ouais. Oui. T'as très discret, mais ouais. C'est pas grave. Je crois qu'on surtout après le grand frère. Ah non, j'ai refermé la cage. Je suis dans le cimetière avec la discrétion de deux éléphants. On fait pas un test de discrétion? Si. Ouais. On va essayer d'être bon sur ce que. Allez, tout le monde. J'y crois pas. Tout le monde fait un test de discrétion. C'est mort, les mecs. 4. J'ai fait 14. J'ai fait 4 moins 4, ça fait 0. Donc, dans un sympathique bruit de ferraille, clac, clac, clac. De battement d'aile. Ah merde, j'ai moins 4 en discrétion, ça fait 10. Bon. Donc, vous entrez avec toute la discrétion possible et imaginable dans le cimetière et vous vous rendez au point indiqué par le journal. D'accord, donc jusqu'à là, la discrétion. Alors, vous allez à l'intersection des deux voies qui sont indiquées. Et il y a bien une crypte. Qui veut s'approcher de la crypte? Je m'approche de la crypte. On y va. Tu inspectes la crypte. J'inspecte. Je perceptionne la crypte. Quelqu'un a utilisé un sort de lumière? Parce que là. Lumière. Non, c'est carrément. Dans les langues. Non, mais lui est. À l'intersection du repos éternel. Je peux utiliser la perception que tu disais. Alors toi, tu remarques rien du tout sur ça. J'utilise la perception. Même plus suite. Quelqu'un fait la détection à la magie? Non, mais pour l'instant, il regarde juste. Plus vite, j'ai trouvé quelque chose. Alors, plus vite, t'as trouvé. Tu remarques que la. C'est une fosse qui est fermée par. Une crypte qui est fermée par une grille. Et il y a une serrure, forcément. Et la serrure a été. Forcée. Abîmée à l'acide. Crypte, ça prend une grille. Oui. Ok, il y a de l'acide qui a abîmé la serrure. Caro, t'étais déjà là. T'es déjà passé. De qui tiens-tu cette méthode? Ça ne vient pas du professeur? Oh, c'est peut-être lui qui a mis ça, cet acide, pour rentrer dans la crypte. Oh. Bon, quelqu'un a envie d'ouvrir? Tu me couvres? Moi. Détection de la magie. Ouais. Alors, ça ne semble pas dégager une magie. Pas de boule de miel sur la langue? Non. Pas de petit poney qui non, à rigueur, un peu de givre, mais. Je peux envoyer ma chouette pour qu'elle fasse. Elle voit dans le noir, ta chouette? Mais moi, mon loup, déjà, il voit dans le noir. Non, elle doit avoir vision nocturne, pas dans le noir. Mon loup, la vision nocturne. Oui, non, mais c'est dans le noir. Je sais pas, la vision nocturne. C'est raciste, mais c'est dans le noir. En perception, ouais, mais c'est. Tu vois pas, tu vois pas. Et bonus au maître. Parce que c'est
Parce que j'ai okay. plus 3 en perception dans, en obscurité. En obscurité, mais il faut qu'il y ait la lumière de la nuit, par exemple. De la, oui, moi de aussi. La nuit. Il n'y en a pas là, tout ça. Bah, ça ne va pas rentrer jusque dans la crypte. Tu vas descendre et il n'y aura absolument aucune source de lumière. Sinon, mais c'est une nocturne. Oui, nocturne, pas dans le noir. Sinon, nocturne, t'as encore les étoiles. Ça nous a déjà fait ça. Sinon, on rallume la lumière. Et dans le noir, c'est vraiment genre une caverne. Donc, aucune lumière. Avec un sort de lumière. Avec un sort de lumière, ça passe. Mais il faut entrer pour le sort de lumière. Je suis en train d'ouvrir là. Attends, à moins que tu lances un sort de lumière sur un caillou et qu'elle chope le caillou. Oui. Ouais. En général, tu fais ça, en général, tu fais un caillou. Bon, c'est ça. Et je... Donc, c'est sûr, hein. Bon, William, non, tu ne reverras pas la grille, donc tu repousses avant. Ah, j'ai complètement oublié la chouette et les crânes. Dommage. Enfin, dommage. Non, pas dommage pour toi, mais... La chouette et les crânes. Parce que je voyais bien le crâne voler avec la chouette qui est à travers la ville, genre... Tu peux essayer de manger la chouette. Ouais, il a fait comme ça. Il attaque. Ouais, voilà, parce que comme elle était en extérieur... C'est une bonne imitation du crâne, je trouve. Je m'entraîne bien, et puis je regarde trop Bob Lennon aussi. Et puis Zelda, avec les crânes qui... Non, Bob Lennon. Pas Zelda, ils sont... Ouais. Il y a bruit dedans. Donc voilà. Sinon, Batman... Bon, elle entre. Tu penses sur la lumière sur la Queen Moose? Pourquoi? Parce que... Écoute, mon sort de lumière, c'est juste une petite minute. Permet de te voir. Ouais. Elle revient. Mais tu ne parles pas le langage des chouettes. Ça c'est vrai. Moi je dis ça, je fais rien. Alors, attends, j'y vais. Ouais, j'ouvre. T'ouvres. Mais en tout cas, la chouette. C'est déjà ouvert puisqu'elle est passée, la chouette. Mais j'avais déjà ouvert en fait. Bah, c'était ouvert, mais. C'est Caro qui a ouvert, William. Non, c'est moi qui ai ouvert. J'ai dit j'ouvre et puis là, top, j'envoie ma chouette. Bon, on s'en fout, on descend. Ouais, oui. Putain, on descend. On descend tous ensemble. Quelqu'un qui a un sort de lumière. Bah, il y a le caillou. Ça dure 10 minutes. Et François, il a activé le sien aussi. On descend la crypte, tous. T'as un caillou alors que t'as une arme à deux mains? Non, mais, non, mais lui il a été. Je le lance sur ton plastron, sur. Ouais. Sur ta lame. C'est un peu chaud à cacher un plastron. Je peux le désactiver le sort? Tu peux, ouais, tout à fait. Je t'explique, en général, tu prends un caillou parce que tu sais, si t'as une urgence, tu veux te cacher, tu mets dans ta poche, t'as plus de lumière. Ah, tu vois, un plastron, genre, c'est un peu chaud de le cacher. Tu peux pas faire genre, hop, je retire. Bah, il suffit que je retire aussi. Ouais, mais ça fait, c'est beaucoup plus rapide de le mettre dans le. Ok, d'accord. Bon, bah alors un petit caillou. Petit caillou. Vous entrez dans la de secret. Alors, il y a des... Vous descendez des escaliers et vous entrez dans une salle où il y a des loges dans les murs. Attends. Que tu reconnais parfaitement ce que tu as vu dans Skyrim. Tu vois ce qu'il y a dans les loges. Bien sûr. Mais attends, je pense à refermer la porte juste après. Il n'y a pas de souci. Sauf que les loges sont vides. Il n'y a pas de cercueil. Les drogueurs sont sortis. Les loges sont vides et en face de vous, il y a des cadavres debout comme ça. Une à droite, une à gauche. J'ai envie de dire perception pour tout. Ouais. Bon d'accord, j'ai 20. 11 de perception. 14. 4. Non mais 20 suffira largement. J'ai 11. Alors, Dolores, tu remarques des traces de pas sur le sol. En fait, il y a une bonne couche de poussière et il y a quelques traces de pas. Un peu recouvert de poussière. Des pas et... Des chaussures. Okay. Et ça va vers la porte de droite. D'accord. Ben... Moi j'ai envie de dire tirer Jean-Luc vers la porte de droite. Pourquoi? Allons à la gauche, oui, carrément. Non, il n'y a aucun indice qui nous permettrait de penser. Non, non. Mais pourquoi voyons? Mais pourquoi voyons? Parce que elles vont vers la porte de droite et je précise, elles reviennent. C'est bon à savoir. Quoi? Ouais. Ça va dans un sens et ça revient, donc ça revient. Oui, tu peux être dans le vide, dans le vide. En tout temps qu'à faire, vaut mieux. Si t'imagines, il n'y a pas les enfants du retour, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Soit il est toujours là, soit. Je sais pas. Soit il est sorti. On se dirige vers la porte droite. On l'ouvre. Ok, qui c'est qui l'a écrit au kilo? Parce que 11 c'est impersonnel. Je veux savoir qui ouvre la porte. On peut faire genre. Non. Des discrétions. Détection des pièges, il faudra un roublard pour ça. Et il est pas là. Discrétion, par contre. Alors. Faudrait quoi pour la. Faut quoi pour ouais. La. À la limite, je tentais. Une main. Dans une crypte, on s'en fout de la discrétion. Ils vont faire un jet et. Tu fais un. Non, je te dis juste. Je veux juste savoir qui ouvre la porte pour savoir qui. qui va s'en porter. Ouais, mais dans ce cas, c'est moi qui. Non, je veux juste qu'on arrête de dire on parce que on, c'est, ça ne dit pas qui le fait. En fait, William, il resterait derrière. On serait tous partis. Il fait du bruit. Bon, j'ouvre la porte. Ok, touche la porte. 12. Touche la porte.
Pourquoi t'es enceinte? Bah, t'es... C'était bien. C'était bien. Tu as bien ouvert la porte. Et n'a pas assez discret. T'as ouvert la porte. Il y a une nouvelle salle, quelle surprise. Mais là, je vais demander un jet d'initiative pour ton... Eh putain.